C'était par leur capitaine Didier Deschamps, les nouveaux champions du monde. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. C'était superbe, c'était superbe. On est champion du monde! Champion du monde! 3-0, 3-0! La France a vaincu. Après le général de Gaulle, la libération, ça c'est la deuxième libération de la France. Ah oui! Que dire, c'est indescriptible, c'est vrai que c'est extraordinaire, on a senti vraiment la France derrière nous. Je pense que c'est le plus beau jour du sport français, car il manquait la Coupe du Monde au palmarès des grands sportifs français. On a eu d'autres satisfactions, mais là, celle-là, elle est immense. Elle est la plus grande satisfaction populaire qu'on puisse attendre. Je voudrais dire un petit bonjour à Lionel, Sabri, Pierre, Hibou, Nicolas. Alors 1 million de personnes sur les Champs-Élysées à Paris, au minimum. On rit beaucoup, on crie le nom de Zidane, bien évidemment. Il y a des banderoles ici également, en hommage à Aimé Jacquet.
Il y a des milliers de supporters qui affluent par groupe de 100 et de 1000 par les rues adjacentes et qui donnent sur les Champs-Élysées. Il y a vraiment une ambiance de fête extraordinaire. Il y a des gens qui sont montés sur les kiosques à journaux, qui sont grimpés sur les poteaux électriques. Bah écoutez, c'est une ambiance de délire. Salut mon Pierre. Zémé, c'est très bien. On t'a fait confiance du début et tu l'as gagné ta Coupe du Monde. On boit le meilleur sélectionneur. Merci Mémé. Merci à tous. Embrasse bien tout le monde. Très heureuse pour toi aussi. Merci, embrasse bien tout le monde. Les gens heureux, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est fabuleux. Encore pour sortir la voix dormir. Elle veut les voir arriver là. On n'aura pas ça tous les jours. J'ai jamais vu Paris comme ça, j'ai jamais vu une telle ambiance. Que ça peut entraîner de voir la joie de tout un peuple, ça donne envie vraiment d'aller au bout de soi-même.
essaye. Il était de bonne foi, le patron de l'équipe, ou... Pas du tout. Je dirais qu'il est très mauvaise foi. Mais ça ne m'étonne pas de lui. Je le connais un petit peu. Ça sera pour moi la grave blessure de toute une carrière. Des gens incompétents, je dis bien incompétents, malhonnêtes de surcroît, qui se sont attaqués à un petit ajusteur. Ils croyaient qu'ils allaient me driver comme ça. Mais moi, j'ai ma conscience professionnelle. Et quand j'avance, j'avance. Mais j'ai beaucoup de respect pour les autres. Eux, ils n'en ont pas eu. Mais quand on n'a pas de respect pour les gens, eh bien, on passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est irréversible. Donc, il n'y a pas de ma part de pardon. Un jour, on en parlera tous les deux. J'essaierai de lui expliquer pourquoi on s'est trompé. J'essaierai de lui expliquer pourquoi on n'est pas des voyous. Et j'essaierai de lui expliquer, comme à tout le monde, que quand on essaie d'avoir des opinions et des idées, eh bien, parfois, on peut se tromper. C'est plus difficile que de répéter ce que tout le monde dit. D'avoir des idées propres, personnelles, voilà. En attendant, vous lui demandez pardon. Oui, je lui demande pardon. Je lui demande pardon et je lui demande surtout d'essayer de comprendre. On mérite autre chose. Donc ces gens-là doivent s'en aller. Ils n'ont rien à faire dans le milieu sportif. Il faut qu'ils s'en aillent. Simplement, vous n'hésitez pas à demander la démission des dirigeants quand ils vous semblent avoir failli. Est-ce que vous n'y avez pas pensé? À démissionner? Oui. Oui, j'y ai pensé. Ouais. Mais mon patron m'a dit, il n'en est pas question. Donc voilà. La plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. On est champion du monde, mais vous aussi et toute la France est champion du monde. Merci. J'ai Aimé Jacquet, j'ai Robert Pires, je dois avoir 42, enfin j'en ai 4, mais enfin c'est quand même pas mal. J'en ai donné davantage, mais ça là, j'en suis pas fier. Le bonheur, voilà, c'est tout. Et puis en plus, ils sont sympas, ils la ramènent pas, ils ont pas la grosse tête. Voilà, c'est la France.
Aimé Jacquet, vous nous tirez votre révérence. Vous restez quand même directeur technique national du football français, mais vous nous tirez votre révérence. Et après ce qu'on vient de voir, je vais être sans doute le 50e à vous poser la question. Pourquoi vous partez ? Non, parce que j'avais annoncé il y a déjà plus d'un an que ma mission se terminerait le 12 juillet, que j'allais faire le tour d'honneur. Je l'ai fait. Et très logiquement, très normalement, je me suis retiré. Et puis c'est bien pour le football. Ça fait 4 ans et demi que je suis à la tête de cette équipe de France. C'est un bail assez long, très dur. Et il me semblait que c'est l'échéance tout à fait logique d'un sélectionneur. Donc maintenant, place à un nouveau sélectionneur, un nouveau discours, un nouveau comportement. C'est bien pour les joueurs, pour relancer la mécanique, parce que ça ne va pas...